Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne du Kageki, du Kagekwa, du Kageon bien sûr. Et aujourd'hui, on va continuer nos aventures sur Final Fantasy VII Rebirth. Et dans le dernier épisode, on était sur un bateau croisière. Et ça va, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose. On a juste fait pas mal de jeux de cartes. On a fait du Queen's Blood. On a affronté nos amis. Épisode assez simple, assez court. Et là, à la fin du dernier épisode, une alerte sonne dans le bateau et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est dans cet épisode qu'on va voir ce qui attend à nos héros. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire. Merci à ceux qui likent, merci à ceux qui s'abonnent. Et c'est parti pour la suite de nos aventures. Il est maintenant temps de continuer nos aventures sur Final Fantasy VII Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth. Alors, il faut aller se rendre sur le pont. Après toutes les parties de Queen's Blood. Dépêchez-vous d'aller sur le pont. Prenez ces escaliers. On se fait attaquer. Ah, ça y est, un peu de mouvement, c'est cool. Maman, tout va bien. Des monstres qui sortent de la mer. Ben voilà, on va affronter des monstres. Vous voilà, par ici, dépêchez-vous. Des créatures ont encerclé le navire. J'en ai jamais vu autant. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ok, comptez sur nous. Je vais m'assurer que tous les passagers sont bien dans leur cabine. D'ailleurs, vous, vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Merci beaucoup. Par ici. Il a pris Tifa avec elle, le salaud. Ah, ça tombe bien, en plus je voulais échanger en plus. Ah bah j'ai Red 13 avec moi, c'est parfait. Ah bah il fait nuit. Est-ce que j'ai fini son équipement? Allez, on dirait que oui, c'est bon. Invasion de créatures. Ok, ça va, c'est juste des monstres classiques. Mais qui les a invoqués? Pourquoi sont-ils attirés sur nous? Y a-t-il une raison à cela? Attention. Allez, en voilà d'autres. Il est trop bien Red en fait, il est trop bien. En plus il est rapide. Ah,
qui se passe? Je suis tout seul maintenant. Laissez-le tranquille. Ah oui, je suis tout seul maintenant. Je sauve tout le monde. Non, faut que j'aille par là. On va sauver l'équipage, ok. Ah, Tifa m'a rejoint, très bien. Comment ça se passe? Au final, je récupère. Je me sépare de Tifa pour revenir au final avec Tifa et j'ai pas le choix, quoi. C'est abusé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils se font pomper, ouais. Ils se font pomper, bordel. Ils fusionnent. Oh, le pire, c'est que c'est vrai. Wolf Shadow. J'arrive. Oh non, je pensais qu'il était mort. Allez, achève-le. Voilà. Ces choses ont l'air de viser les manteaux noirs. Actuellement près de Costa del Sol. Le navire a été attaqué par des créatures qui nous ont encerclés. Heureusement, un groupe de gardes qui se trouvait à bord est en train de s'en charger. Et... Professeur Ojo. Des passagers en manteau noir et des créatures ont... Comment pourrais-je expliquer ça? Ils ont... comme fusionné. Professeur Ojo, et la sécurité publique m'a demandé de vous en informer. Il est taré. Alors comme ça, la nouvelle mutation entraîne une fusion. Et en biologie, lorsqu'il y a fusion de deux organismes, seuls les gènes dominants survivent pour former un être supérieur. Capitaine, c'est une grande avancée scientifique qui se joue peut-être sous vos yeux. Il faut absolument que je mette la main sur un échantillon de ces créatures. Que dois-je faire, exactement? Si vous acceptez de participer personnellement à mon expérience, je promets de vous retrouver et de bien vous traiter. Toutefois, pensez bien à porter un signe reconnaissable, d'accord? Heh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 
C'est Barrette. Allons-y. Attends, toutes les personnes avec qui je veux pas être, je vais être avec ces personnes-là, quoi. C'est abusé. Allez, on va rejoindre Barrette. J'essaie de monter sur la porte. Ils sont tous transformés là. Et c'est reparti. Ah putain, il y en a plusieurs. Oula, c'est quoi ça? Moins. Allez, on frappe, on l'envoie en l'air. Important de faire souvent des compétences. Merde, j'ai tapé dans le vide. C'est bon, on les a tous les deux battus. Même que avec deux personnages, on s'en sort très bien, ouais. Attention. Une nouvelle arme, j'adore ces coffres-là. Les coffres violets, c'est les meilleurs. Et en plus, là, c'est une arme pour notre ami Tifa. De Kaiser. Ah, je fais quand même beaucoup plus d'attaques physiques, mais moins d'attaques magiques. Mais bon, magique, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une autre fusion, ça? Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-là? Elle est toujours aussi moche, ouais. Attends, on bat des aliens, le bordel. Ah, putain. Ah, il est trop relou, l'autre, derrière. Allez, c'est bon, c'est battu. Putain, les ânes, elles se ressemblent un petit peu là dans le bateau. Ouh, le banc qui fait du bien. J'aime le banc. J'en ai assez. Tifa, t'es prête? Bien sûr qu'elle est prête, tout le monde est prêt. Oula. Ah bah, la Barrette. Voilà. Ils se font attaquer, ils essaient même pas de fuir. Faut qu'on les protège. Éloignez-vous d'eux tout de suite. Ah, on a reconnu Yuffie. Ces hommes en manteau noir peuvent fusionner avec les créatures et se transformer en monstres encore plus dangereux. En tant que capitaine, il est de mon devoir de les éliminer. Non! Non, ils vont tous fusionner entre eux. Ouah, ça va faire un gros monstre trop moche. Ouah, ça va être chaud là. C'est féroce.
changer d'apparence à volonté. Mais aussi vos êtres les plus chers. Pour vous manipuler à votre insu. Ce monstre mortel est mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On affronte des sortes de clones de... Oula, non, c'est pas un clone. Oula, vache, c'est quoi ça? Oui, y'a un truc qui me suit là. Y'a un truc qui me suit, c'est quoi cette merde? Dégage là, bah c'est bon. Non, c'est... non, faut faire les sorts. Elle aime bien le feu. Non, elle aime pas le feu. État de choc. Genova naissance. T'as l'autre, il est où? Le monstre est tombé. Putain, c'est monstrueux, ouais. Il est monstrueux. Ouah, putain, il y a plein de yeux. C'est quoi ce bordel? Ouah, c'est horrible. Il m'a chopé. État de choc. Allez, dieu dévastateur, allez, c'est parti. Le combo avec Tifa. C'est trop lent, j'aime pas du tout.
Allez, il aime pas le feu, j'appelle Phoenix. Qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est moche ! Là, je suis concentré sur mon combat là. Ah, c'est bon. Claude, il va tomber. Claude, il va tomber. Non, Claude! Qui s'est pas réanimé là, il devait se réanimer tout seul normalement. Allez hop, c'est bon, allez c'est bon, il a plus beaucoup de vie, allez c'est bon, il va mourir. Voilà. Oh la sacrée bestiole, ouais. Saloperie, ouais. Resident Evil le bordel. Sephiroth, toujours aussi classe. Merci pour le conseil. Ah, nouveau lieu, la plage. Fin du chapitre 5, début du chapitre 6, un paradis ensoleillé. Ça va être les vacances. C'est le Brésil en fait. On arrive au Brésil.
Elle est énervée. Elle est vraiment joyeuse, elle, hein. Nouvelle destination, Costa del Sol. Personnellement, ce que je voudrais, c'est me mettre au frais. Ambiance très Caraïbe. C'est pas très sympa, ça. Soyez les bienvenus à Costa del Sol, chers voyageurs. Je suis le maire de la ville, Capone. Allez, allez. Voilà pour vous. Et voici. Veuillez accepter ce modeste cadeau. Merci. Ces colliers de fleurs sont indispensables pour se mettre dans l'ambiance de Costa. Oh, il vous faut un merveille. Dans ce paradis, le soleil brille tous les jours, sans exception. Et vous y passerez le meilleur séjour de votre vie, ça, vous pouvez me croire sur parole. Rien de tel pour oublier votre quotidien morose et insipide. Surtout, profitez à fond de la myriade d'attractions que nous vous proposons. Bon, allez, on va à la plage. J'aimerais bien prendre une douche avant. Trouvons d'abord un hôtel. Ok. Surtout ne dites pas que vous comptez aller nager quand même. C'est quoi, Serga? Non, mais... Et elle m'ignore en plus. Elles vont finir en maillot de bain ou quoi? Office de tourisme, nouvelle découverte. Une shinobi en vacances. Nouvelle découverte. Eh ben nous voici. Ouh, un nouvel espère, Alexandre. Ah ben c'est moi ça. Il regarde quoi là? Il regarde dans cette direction là. Il regarde la montagne. Les manteaux noirs sont partis en vacances. Eh ben dis donc, cette fin d'épisode là sur le bateau là, c'était quand même plutôt bien mouvementé. Plutôt très mouvementé même. Le combat là à la fin, il était monstrueux. Pas facile. Beaucoup de vie. Mais on commence un peu mieux à maîtriser le gameplay, on arrive plus facilement à le mettre en état de choc, donc du coup ça passe un peu plus facilement au niveau des combats. On arrive un peu mieux à enchaîner, on arrive mieux à se servir les combos avec les équipiers, donc c'est plutôt cool. Et bien vous savez quoi, dans le prochain épisode, on ira visiter à Costa, cette petite ville de Costa del Sol. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures dans un paradis ensoleillé. Allez, salut tout le monde !